Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Nabana est vraiment rebelle, ce qui est le cas, c'est le bon il est là, il n'est pas, papa Wadessa. Je suis en train de me passer depuis 3 ans. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Au bas que l'arrivée sur le panier, Moko, on a dit bonjour à Moussala. Je suis en train de me passer le panier. Je suis en train de me passer le panier. Je suis en train de me passer le panier. Témoignage. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Emmanuel Malagi, serviteur de Dieu dans l'église Centre de Réveil Spirituel. Et aujourd'hui, dans l'émission Prodige de la semaine, nous avons un couple. Un couple qui a deux nationalités. Il y a l'homme qui est congolais et la femme qui est burundaise. Le dieu de Kabundiko de Loalesa, comme nous le savons tous, c'est incontournable, c'est un dieu international. Et aujourd'hui, nous allons écouter un bon témoignage d'un couple qui habite sûrement en Europe et qui s'est converti à ce grand dieu, le dieu de Loalesa, le dieu d'Abraham, Isaac et d'Israël. Alors, je ne veux pas la présenter, elle-même va se présenter. Elle parlera dans la langue où elle est à l'aise. Et voilà, maman, bonjour. Bonjour. Maman, au coquille qu'on s'est présenté, je vous dirais déjà que l'émission est multilinguistique. Ça veut dire que plusieurs langues. Alors, je lui pose la question en lingala, elle va me répondre en langue anglaise et puis je vais interpréter. Voilà. Mamie, vous présentez. Jina langu Chantale, niko burundaise, naishi Belgique. Ok, je crois que vous avez écouté. Elle s'est bien présentée en disant qu'elle s'appelle Chantal. Elle habite, elle est burundaise et elle habite la Belgique. Alors, maman Chantal. La question vient déjà. Comment est-ce que vous avez connu le dieu de Kabundiko de Loalesa? Je l'ai joué sur YouTube. Je crois 2014. Je suis venu à la fin. La vidéo, l'image, la fin. Je suis venu à la fin. Je suis venu à la fin. Ok, chunga mbele mama. Nani alikupatiaka adresse ile ya mtumishi wa Mungu? Hakuna. Nafikiri ni mapenzi ya Mungu. Alitaka ni mjue, juu iko na vitu vina nataka kufanya maisha yangu. Amen. Alors, la maman a dit que elle suivait l'homme de Dieu sur YouTube. Et je lui ai posé la question de savoir qui lui a montré ou qui lui a donné l'adresse sur YouTube. Et elle a dit que c'était la volonté de Dieu et que Dieu voulait qu'elle puisse connaître ce Dieu de Loalesa. Voilà, on continue. Ensuite, je suis intéressé dans ma vidéo yake. Jusqu'à 2015. Maman a dit, maman Chantal a dit qu'elle a commencé à être très intéressée par l'évangile de l'homme de Dieu, à suivre ses vidéos sur YouTube jusqu'en 2015. Termake niko na miaka mingi natafuta mtumishi wa Mungu wa kweli Simone antukana nikakuwa convaincu. Elle a ajouté que tellement qu'elle cherchait à avoir un homme de Dieu pouvant la convaincre. Et c'est ainsi
qu'elle est tombée sur l'homme de Dieu, Kabundi Claude Oyesa. Elle a dit qu'elle a été convaincue. Nikafata ma YouTube yake, mo YouTube ma video, naona vitu na nafanya ni vitu na hatu yawe kuona. Alors, elle a dit, en suivant ses prédications sur YouTube, en suivant les cultes du centre de réveil spirituel sur YouTube, Maman Chantal a dit qu'elle a vu des prodiges, des miracles jamais vus. Voilà. Panakuja watu wanatakufa, wako na maprobleme. Wangine wako na maradhi zene hatuwewe kuona muvi. Wangine wa doktero shwa wambia wanabakiza siku wakufe. Wangine wanawambia wako na maradhi enkirab. Mewa kikuya hapa wanarudia tena kutemwanye uyu Mungu wa walesa. Voilà, elle le dit avec charisme, ce que j'aime. C'est qu'elle dit qu'il y a des gens qui viennent ici. Elle a vu dans les vidéos. Les gens qui viennent à l'agonie. Les gens qui viennent sans forme, déjà terrassés par les maladies, terrassés déjà par les problèmes. Mais quand ils viennent au centre de réveil spirituel, le Dieu de Walesa font qu'elle témoigne. Elle témoigne du bien. Ces personnes-là témoignent du bien de ce que Dieu a fait dans leur vie. Voilà. Nika continue kufanya priere, naambia Mungu na mimi anioneshe kama kweli ni mtumishi wake. Alléluia. Alors, elle s'est dit, comme toute bonne chrétienne, elle s'est dit que je dois prier. Et en priant, elle a été convaincue que... Non, elle s'est dit d'abord que je prie, que je prie, que Dieu me montre si réellement qu'Abundi Claude Olesa est un bon serviteur de Dieu. Voilà. Nikaendelea naomba sikukuu ya jua santima ni juu ya vitu niliona na nikakuwa convinki na njo nikakamata decision ya kusema na mimi nikuye. Amen. Elle a dit qu'elle a continué à prier pour avoir la réponse de Dieu. Et enfin, Dieu lui donna la réponse en disant que réellement c'est mon serviteur jusqu'à ce qu'elle a quitté l'Europe, elle a quitté la Belgique pour venir à Kinshasa rencontrer l'homme de Dieu. Nilikuwa na probleme mingi sana. J'avais beaucoup de problèmes. Nikaisee kumtaka kumwinteresser bwanangu. J'ai essayé de dire ça à mon mari. Tellement que tushakuwa desi na pasteur. Tellement qu'on a déjà été très déçus par les pasteurs. Hakutaka kunisikia. Il ne m'a pas entendu, il ne m'a pas écouté. Minika continue kufanya prière. Nika continue kufanya prière parce que niko na berceri yangu mwale toko tunafanya naye prière. Tuna continue tukukata maombi. J'ai continué à faire mes prières et j'ai une belle sœur qui m'aide aussi dans la prière. Donc ensemble, nous avons continué avec la prière en suivant l'homme de Dieu sur YouTube. À chaque fois qu'il pata vidéo ya mpya kama mimi siko kunyumba nilijideplace ou bien niko kukazi kama yalishinda kunyumba akipata vidéo ananitumia sur WhatsApp. Alors la belle sœur, donc la sœur à son mari, chaque fois qu'elle avait une nouvelle vidéo de la prédication ou de témoignage de l'église centre de réveil spirituel, la belle-sœur lui a envoyé et elle regardait, elle continuait toujours à être affermie par les prédications de l'homme de Dieu. Et moi aussi également, selon ce qu'elle dit, quand elle trouvait les nouvelles vidéos, elle envoyait aussi à sa belle-sœur, c'était vice-versa. À chaque fois, mon mari a quitté le casier. Nachunga alishamaliza kula, anapumzika. Na isena hata kumuonesha ka video, angalia hata image kidogo. Et à chaque fois, elle insistait, elle n'a pas cessé d'insister pour que son mari soit aussi atteint par le message de l'homme de Dieu. Et chaque fois, elle a insisté pour parler à son mari de la part de Jésus-Christ, le Dieu de Walesa. Bili nikamata wakati kusema kwe, anze kwe interese. Alors, elle a dit que ça lui a pris du temps pour que son mari soit intéressé. Voilà, chers frères et sœurs, nous continuons avec ce témoignage. Maman Chantal,
alobi boye akute na nzamba walesa na YouTube mais asuki wana te alobi a intéressé penani molonga ni na ye ndeko na nga mwasi mobile yozo landa ngai tango yo obiki tango yo ozui eloko ya malamu ko te pa na nzambe komi tikela kaka yo mo kote kozala egoiste te partager na bato za pembe na yo lokwa mama Chantal et za conseil en passant la Bible dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel donc yo pe ceux qui ont juste sont malam linga au côté s'appelle ibota na yo na kati na ngoza malam alors toke pe na ngambo ya mobile voilà mama Chantal ndalo bina ngambo na yo toka pe histoire pe ndenge nini papa Molongani, maman Chantal, a atteint un message des personnes qui résistaient à Yango. Toyo Kaye, puis moi, je suis maman Chantal. Voilà, il est comme on a été à quoi se présenter Yemoko. Je m'appelle Jérôme Kyungu. Voilà, papa Jérôme Kyungu, enchanté. Vous avez écouté ce que maman a dit. Alors, de votre part, vous quand même nous parler de comment est-ce que. Comment c'était à la maison? Comment est-ce que maman vous tourmentait avec les questions et voulait que vous soyez avec elle dans la même foi? Oui, bon, elle me posait tant de questions et me montrait des, disons, des vidéos d'évangéliste Claude Kabundwale, ça. Et bien, à chaque fois, je la repoussais parce que on avait eu beaucoup de déceptions hein, avec des pasteurs auparavant. Mais bon. Il s'est fait qu'il avait beaucoup insisté. Hein, donc, presque chaque jour, il voulait me montrer un truc. Un jour, je me suis dit, d'accord, fais-moi voir quelque chose. Et il n'y a pas de souci. Il m'a montré le film, je regardais. J'ai regardé un petit film. Et puis, là, on parlait de musiciens, trucs machin, qui sont venus chez lui. Et je lui ai repoussé. J'ai dit non. Mais ben, ces musiciens, ce sont des mondains. Hein, un homme qui s'associe aux musiciens. Ah, ce n'est pas un homme de Dieu, ça. Ça, ce sont des farces, ça. C'était à l'époque où il s'est rencontré avec Werason. Okay. Et après, j'ai pas voulu regarder. Et je lui ai dit, c'est bon, je continue avec mes tricks. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup, disons, la musique mondaine. Hein, je regardais beaucoup la musique congolaise. Bon, la musique congolaise, disons, la musique mondaine. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alors, maman Chantal, tant que Sikoyo, au Longwe, Poto, au Lebike, vous n'avez pas convaincu. Vous n'avez pas chassé. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas dit. Non, j'écoutais mes pèques en 2015, na bercerie Angu. Je n'ai pas de délivrance. Ça n'a rien à dire. Vite, vite, changé. Vite, vite, problème, mais c'est quoi ton âge, c'est qu'à changer. Amen. Alors, quand je suis revenu en 2015, je suis passé à la délivrance. Après la délivrance, alors, maman Chantal, vous voyez qu'il y en a 2015, on est qui a la délivrance, nous avons passé de Makambo Minen. Et puis, en 2017, vous voyez qu'il y a ce qu'on a fait. Bon, je suis convaincu parce que ça n'a rien dit à mon hôte. En tout cas, fait un ébit tout comme ça changé. En 2015, quand je suis rentré en Belgique, la vie a commencé à changer. Et ce qui a convaincu mon mari, on est revenu en 2017 avec la famille. Et puis, je en a couvert 2017 et tout couille et vite tout qui en a tout autre. Et là, en 2017, nous sommes là avec toute la famille. Waouh, ça c'est fantastique. Et puis quand on a des références, tout ça pas tamé ou jiza. Lui-même, mon mari, a vécu les miracles. Il a vu la main de l'Éternel. Alléluia. Quand il dort et qu'il se réveille, automatiquement et directement, il accepte, il croit au Dieu de Walesa. Na furahi sana juu, ingekuwa ni kama vile namleta mwerere, ni muingiza mwerere, me kuona na kruare kama nzamba kabundi wale sana existe. Niko na furaha sana kubwa sana. Elle se dit qu'elle peut-être elle se disait qu'elle était en erreur. Mais quand elle voit son mari croire à ce grand Dieu, elle dit waouh, je suis pas en erreur, c'est que c'est là est la vérité, ça c'est Dieu.
Alors, maman, maman Chantal, message ni ni si ko oku pesa na ba burundaise nyos na monde mobimba po ba rolando na YouTube hein maman ba ko oyebi sa bango ni message ni ko pesa et puis to pesa papa je l'en peux a koloba ndenge ni na kota na nzamba walisa nda savez avant nous vos et Burundi Europe Amérique Asie umuntu wese ashobora kunkurikira na burundaise rwandaise uwo yumva ikirimi ndasavye twemereye ko hanga hari imana ya exista hari umuntu umukozi w'imana imana yahagurukije ikinshasa tumukurikire kuko imana iri ngaha muri Yesu haleluya icyo maze kubona amademo araza gahunga abafise ingwara zimwe zidashoboka ba docteur bamaze kuvuga yuko basigaje iminsi ibiri yo gupfa barakira sinzi ikintu navuga kubera imana ya waresa ariko ndazi yuko umuntu wese azoshikana ikirenge ngaha gahunyoza ikirenge ngaha uzova ngaha probleme zawe solution yabonetse ndabasavye bene data ni muzi aho muri hose ni mukogwe n'imana ya waresa ibazane ibazane ntimugire dute ntimugire ikintu cyo kuyumvira no ni erere tugire dufate no ni mana yukuri Jésus Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Quand tu es en train de parler, c'est dans une langue que je ne comprends pas, mais je sens qu'il y a un message fort qui passe. Crois au Seigneur Jésus Christ, tu seras sauvé. Et ça m'a sapoté, et ça réalité. Alors papa Jérôme, au yéna 2017 na Kinshasa. Mettez dans les sols. Bon, on a eu la 2017 na Kinshasa. Bon, ils ont qui madame a convaincu en tant qu'on a eu la 2015, aïe gozo nga, on a changement. On a moni changement parfait. Amen. Situation financière et nandaku, na musala, na kamutu et comme au kende, na ndenga bien. Il y a un peu de courage et ça l'anga que na 2017, tu préparer voyage pour toi yawa. Tu dépenses bambonge belé, tu es famille mobimba. Tu as gozo bi. Amen. Amen. Alors, au Kolobani, hein, tout d'un coup, moi, je suis ensemble avec moi. Si. Je suis possible qu'on ait sauté. Et Katani Mbala Moko. Bocha tembete, Zambazalia. Amen. Zambazalia. Papa na olinga otala bango penza bien. Otali bango. Oyebisa bango. Oyebisa bango clairement message. Est-ce que ao basimbi sho litite, basimbi sho mai, basimbi sho mafut. To ba yebisa no sala boy, sala boy. Te ao pena babiloko ne zate. Hallelujah. Ezaka ba chedi loboko. Ba sambeli na kombwa Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma camion est changée. Ma démon est obi ma bateau. Na mon abilo que belé. Donc bateau bazo ya malade. Bateau baye presque bibembe. Hein? Bateau pendant au moins bazo son gapena normal nanda. Yon moko nan. Tant ba on gagne la délivrance. Et là on est au Santa. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai senti que il y avait quelque chose de nouveau quoi. Amen. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de nouveau. Ma la moko na sentir nous autres on a bien. Alléluia. Donc c'est comme si bilo comment que ça au kanganga. Et longue. Oh, glorie. Et bimi hein? C'est ça. Et bimi nanzot. Et bimi nanzot. Amen. Biloko moko et longue. Et bimi nanzot. Ce grand Dieu est puissant. Ça veut dire qu'il touche l'intérieur. Il touche les semences qu'ont semé le diable. Qu'ont semé ceux qui nous haïssent et qui se cachent. Une fois qu'ils sont ici, au centre de réveil spirituel, il y a une puissance qui touche l'intérieur. Et qui enlève la malédiction. Le Dieu de Walesa est puissant. Ça, c'est un témoignage qui vient de loin.
bavana na kisha zote. Yeza masapote, ba yeba vivre miracle na nzambe. Nzamba za reyel. Soko ndi mara Yesu Kristo te, babiso, trope so témoignage. Prodige la semaine. Eza pona yo, et salami po yo ndi ma Yesu Kristo. Ndi ma Yesu Kristo, lo kola ankolo pe mobiki si, obika yo, na libota na yo. Nzamba zo benga yo. Eza message et appel, ya yo ya, on dit ma Yesu. Yesu wana sanini. Akangula yo na liboto na mobimba. Mama Chantal lo basuka ezani. Naringi na na ibisabande konanga. Surtout ba Kongole, ba Kongolese. Mozana chance. Parce que mozana mutu oyo to anvia kaye. Wadesa. Mondi manzambe na ye. Na ebitin. Na komi ko anvia ko ko vanda ko ko tikara na Kinshasa po. Oh, pote kwei. Ah? Ba mikilisi baza ko anvia ko tikara na Kinshasa me makambo ko mi terrible. Nzamba ya terrible. Eh. Na watu bo waresa. Ni mtu mwenye hangarika bida. Eglise mzima wangali kabila, huyu anatoka wapi, huyu ni nini, au niliboneko rishi mko maskini, klasi ya mtu wayangali. Haleluya, eloko isa bien. Alobi, na lobo alingala po yoka bien. Et puis je le dirai aussi en français. Dans cette église, bata la kate ke mtu aza mobola, to aza rishi. Bata la kate ke mtu aza na mbongo, to aza mbongo te. Batala kate ke mutola ti bien ti bien tata ou tu wa pito. Batala kape bikoloté. Jésus-Christ est universel. Et comment est-ce qu'il se trouve pour nabatu? Non, non. Nous sommes universels. Le Dieu de Walesa est universel. Hein? Maman continue. Niko na joa moyenne. C'est awa ikupata. Alors, Nzamba pambola yo yolandi mais Rolanda. Message oy. Message à Nzamba, Azakozong Sabato, la vie à Kimia, la vie à Malamu, prince de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Nzamba Pambola. Bah, ben, on mon côté, bah, il peut vous t'amouvrir Bakani et Balobaki. Wana, comment on a ni Nathalie. Nathalie. Oyonani, bébé Noah. Bébé Noah. Ciara. Ciara, et puis Junior. Junior, le footballeur, merci. Neba na obaye, na bango, na prière, na centre de réveil spirituel à Kinshasa. Tu te crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Précoce témoignage. Tu crois de ton cœur que Jésus-Christ guérit la maladie. Tu réserveras ta délivrance.